السلام عليكم الزول فلوان. دونك نهضر بالفرنسية ومن بعد نكمل بالعربية. دونك نو سوم اون ديريكت دو لا بريزون دو فرين بخي دو باري بور فو بارلي دو لافير طارق رمضان. سا في 142 جور كو سيت اسلامولوج سويس اي ايجيبسيان ايت امبريزوني ايسي ا لا بريزون دو فرين سانز افوار ايتي جوجي. الوغ كو لي شوز سوا كلير، je ne connais pas ce monsieur, je n'ai jamais rencontré ce monsieur et je ne suis pas là pour défendre ce monsieur. Je suis pour la reconnaissance des droits d'un justiciable dans tous les états de droit, aussi bien en Algérie qu'en France. Et pour parler de l'affaire Tariq Ramadan, je vais parler de mon cas. Il faut savoir que le 20 janvier 2017, j'ai été condamné à 2 mois de prison ferme parce que j'avais organisé une manifestation autorisée en préfecture de Paris devant le bien mal acquis de la fille de l'ancien Premier ministre algérien, M. Abdelmalek Seldel. J'ai décidé de ne pas faire appel de cette condamnation à 2 mois de prison ferme. J'ai donc écrit au juge ainsi qu'au ministre de la Justice afin de pouvoir effectuer mes 2 mois de prison ferme suite à la décision de justice du tribunal de grande instance de Paris. Nous sommes le 22 juin 2018, c'est-à-dire 1 an et demi après la condamnation, et je n'ai toujours pas été incarcéré à la prison. Et je suis même venu ici, à la prison de Fresnes, avec des menottes, pour leur dire que je veux être incarcéré. Et nous sommes à nouveau ici devant la prison de Fresnes. Donc la première question est la suivante. Comment se fait-il que Rachid Nekas, qui a été condamné à 2 mois de prison ferme, n'a toujours pas été incarcéré à la prison de Fresnes, alors que M. Tariq Ramadan, qui n'a toujours pas été condamné, il n'y a toujours pas eu de procès? Comment se fait-il que depuis 142 jours, M. Tariq Ramadan est en prison sans aucun jugement ni procès? Donc pourquoi Rachid Nekas est en liberté et pourquoi M. Tariq Ramadan est en prison? Voici la première question. Maintenant, la deuxième question. Et elle concerne la déclaration de l'avocat des plaignantes qui ont porté plainte contre M. Tariq Ramadan. C'est Monsieur Maître Francis Piner. J'ai beaucoup de respect pour cet homme, car à l'époque du procès de Maître Karim Achoui en 2008, Monsieur Marcini et Monsieur Spiner, qui sont aujourd'hui dans 2 camps opposés, étaient les avocats de Monsieur Maître Karim Achoui. Donc j'ai entendu une déclaration de Maître Francis Piner, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour lui, et qui a dit la chose suivante. Lorsque Maître Marcinet avait proposé une caution de 150 000 euros pour demander la libération conditionnelle de M. Tariq Ramadan. Et Maître Spiner avait répondu la chose suivante. Il avait dit que ces 150 000 euros n'étaient pas une garantie de représentation car ces 150 000 euros n'appartiennent pas à M. Tariq Ramadan. Alors j'aimerais simplement rappeler à la mémoire de Maître Francis Spiner qu'en 2008, c'est lui-même qui m'avait demandé si je ne pouvais pas aider M. Karim Achoui à apporter la somme de 50 000 euros pour sa libération. Et à l'époque, donc, j'avais accepté, avec mon ami Jean-Bruno Romégou, d'apporter ces 50 000 euros pour faire libérer Maître Karim Achoui. Donc ce n'était pas l'argent de M. Achoui, c'était le mien. Donc pourquoi, 10 ans plus tard, Monsieur Francis Spiner dit quelque chose qui est en totale contradiction avec sa propre déclaration il y a 10 ans. Pourquoi dit-il que les 150 000 euros n'appartiennent pas à Monsieur Tariq Ramadan, donc ce n'est pas une garantie de représentation? Donc voilà la déclaration que je voulais faire aujourd'hui par rapport à la manière dont la justice française traite le cas de Monsieur Tariq Ramadan. Encore une fois, je ne suis pas là pour le défendre. Je ne suis pas juge et j'attends de la justice française qu'elle soit la plus impartiale possible
par rapport à cette question qui est grave. Donc je ne comprends pas pourquoi la justice française fait traîner ce dossier-là, qui est un dossier extrêmement sensible, sensible pour les plaignantes, car si les faits sont avérés, c'est extrêmement grave. Il n'en demeure pas moins que je crois que les conditions dans lesquelles cette affaire est en train de se produire ne sont pas à même d'apporter la sérénité à une future décision de justice. Je crois en outre que derrière la façon dont la justice française traite le dossier de M. Tariq Ramadan, je crois qu'il y a aussi une volonté de donner une mauvaise image des musulmans. Car on ne comprendrait pas autrement pourquoi il y a ce lynchage médiatique où on entend simplement la parole des plaignantes, on n'entend pas du tout la parole de celui qui est accusé. Nous attendons de la justice française qu'elle puisse offrir un traitement équitable, que chacun puisse disposer des mêmes moyens et de défense et de communication. En tout cas, j'observe qu'au niveau médiatique, il y a un monopole de la partie qui concerne les plaignantes et une absence totale en dehors de l'avocat concernant l'accusé. Et le propre de la justice, c'est qu'elle soit équilibrée. Donc voilà, on est en direct de la prison de Fresnes. Je vais vous montrer. Voilà, en direct de la prison de Fresnes où M. Tariq Ramadan est incarcéré. Donc voilà, je vous apporte la preuve. Je ne sais pas si vous avez assez de lumière, on va s'approcher. Donc ça, ce sont les 50 000 euros que j'ai apportés en 2009 pour faire libérer Maître Karim Achoui. Donc voilà la preuve. Reçu 2009-45. Voilà, régie, encaissement de cautionnement. Donc c'était le 4 février 2009, nous avons reçu Banque Populaire Rive de Paris la somme de 20 000 euros. Fait à Paris, le régisseur, fonds appartenant à M. Nekaz. On va prendre la deuxième feuille. Donc là, c'est un premier chèque de 20 000 euros. Un deuxième chèque de 25 000 euros. Voilà, reçu 2009-44. Et un troisième chèque de 5 000 euros. Voilà, reçu 2009/46. Donc c'est à la demande de maître Francis Piner, qui aujourd'hui défend les plaignantes, que j'ai apporté le jour même la somme de 50 000 euros pour faire libérer maître Karim Achoui, donc le 4 février 2009. Donc voilà, en direct de la prison de Fresnes. Donc c'était le message que je voulais apporter aujourd'hui. Donc, هضرنا على القضية تاع طريق رمضان هو عنده جنسية سويسرا ومصرية هذا الإنسان أستاذ جامعي في أوكسفورد في إنجليز يعني اتهموه بحاجة اللي ما كان حتى واحد يقدر يدافع عليه ولكن مازال ما جاش الحكم donc puisqu'il n'y a pas de décision de justice nous pouvons parler de cette affaire et encore une fois je ne suis pas là pour défendre monsieur Tariq Ramadan je suis simplement là pour rappeler à la justice française qu'elle doit créer les conditions d'un jugement équitable par rapport au dossier de ce monsieur dont la réputation a été complètement salie, délibérément, alors qu'il n'y a toujours pas de jugement. Bien sûr, si les faits sont avérés, j'ai une compassion pour les plaignantes et j'espère que le procès qui va se dérouler, j'espère, le plus rapidement possible, va pouvoir déterminer toute la vérité concernant cette affaire extrêmement sensible, qui non seulement donne une très mauvaise image des musulmans, mais donne une très mauvaise image du vivre ensemble parmi la communauté musulmane, notamment ici en Europe. Voilà, donc je tiens à remercier les militants du MJC qui sont toujours là, vous voyez, quelle que soit l'heure, ils sont là. Voilà, mon Aveline, MJC. Assalamu alaikum. Voilà, Cyril, assalamu alaikum. Salam. C'est Nasser. Assalamu alaikum. Voilà. Voilà. Khoutla Kariba, toujours là. Assalamu alaikum. Voilà, t'es comme ça.
سي جبل. السلام عليكم الزول ولا عليكم لا زول؟ اه لعكم شوفوا الزول شحال راهي راهي قريبه طلعش على لي باري صح؟ للزوم رشيد yeah. الزول ولا نزول؟ فوالا والله بارك الله فيكم. فوالا دونك سو دي ميليتون باسيفيك راكم تشوفوا. فوالا لو باسيفيسم سي فريمون لا مارك دو فابريك تو ام جي سي حركه الشباب والتغيير. حنايا رانا ضد الحكره، نو سام كونتر لي انجوستيس، نو سام بور لا فيريتي، مي نو فولون با ما راناش باغيين باللي هذه فرنسا توسخ الصوره تاع الاسلام وتاع المسلمين. يعني يبغي يبينوا رواحهم باللي راهم على الحق، هما راهم يحوسوا يخوصوا يخسروا الصوره تاع الاسلام وتاع المسلمين. فوالا هذه هي الرساله تاع اليوم. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم والسلام عليكم.